Une grande nouveauté dans Microsoft Office Word 2007, c'est l'aperçu immédiat de la modification introduite. Ainsi, à chaque changement de la police dans le menu déroulant police, vous voyez aussitôt la nouvelle apparence de votre texte. Il en sera de même si vous changez la taille de la police. Les différents outils concernant la Grèce, italique, etc. sont accessibles de façon très classique depuis les outils qui sont facilement identifiables. L'outil sélectionner tout est à l'extrême droite de la barre d'accueil. Le cadrage d'un paragraphe est fait par les outils bien connus des anciens. Ici, le texte est cadré à gauche, puis il va être centré. Ici, le texte est centré. Maintenant, notre texte est cadré à droite. Et maintenant, notre texte est justifié, c'est-à-dire qu'il est cadré à gauche et à droite, avec l'ajout d'espace éventuellement entre les mots pour assurer le cadrage. Pour vous aider à comprendre ce qui se passe dans votre texte, utilisez l'outil Afficher, masquer les marques de paragraphe. Microsoft Word 2007 met à votre disposition de nombreux modèles pour créer vos entêtes et pieds de page. Donc ici, j'ai choisi le modèle alphabet qui comporte à gauche une zone pour taper un texte et à droite la numérotation automatique des pages qui commence à 1. Le texte de bas de page est ici « Introduction aux ordinateurs ». Vous pouvez choisir des entêtes et pieds de page différents pour la première page, les pages paires et impaires. Ici, le pied de page impair sera Windows Vista et le pied de page pair sera graver un CD ou un DVD. En cliquant sur le lanceur de tâches de mise en page, vous avez à votre disposition des boîtes de dialogue pour effectuer les réglages de vos entêtes et pieds de page. Pour supprimer le pied de page, cliquez sur le menu déroulant pied de page, supprimez le pied de page dans l'onglet insertion. Pour ajouter un numéro de page, allez dans l'onglet insertion, numéro de page, en deux pages ou en bas de page et choisissez un modèle. Vous pouvez choisir le format des numéros de page, chiffres romains, chiffres arabes, etc. Puis, suite de la numérotation de la section précédente ou numéro de début. Pour insérer un saut de page ou de colonne ou de section, allez dans l'onglet Mise en page, saut de page et choisissez le type de saut. Ici, on va prendre saut de page. Si vous avez un texte en colonne, vous pouvez insérer un saut de colonne. Pour insérer un saut de section, allez dans l'onglet Mise en page, saut de page, puis saut de section continu ou saut de section avec introduction d'un saut de page. À la page suivante, page pair ou impair. Pour mettre votre texte sur plusieurs colonnes,
allez dans l'onglet « Mise en page », puis cliquez sur l'outil « Colonnes » et sélectionnez le nombre de colonnes, une, deux ou trois. Vous pouvez choisir deux colonnes avec une petite colonne à gauche ou à droite. Le nombre de colonnes s'appliquera à tout votre texte ou à la section dans laquelle vous êtes positionné. Si vous sélectionnez un texte, comme ici, le texte sera mis sur le nombre de colonnes désirées avec introduction de section. Une section avant le texte sélectionné, une section pour le texte sélectionné et une autre section pour le reste du texte de votre document. Vérifiez la grammaire et l'orthographe, allez dans l'onglet « Révision » et cliquez sur l'outil « Grammaire et orthographe ». Si le mot n'existe pas dans le dictionnaire, vous pouvez l'ajouter à votre dictionnaire personnel. Les habitants de Fréjus sont des Fréjusiens. La coupure des mots se règle depuis l'onglet « Mise en page, coupure des mots ». Vous pourrez choisir les coupures automatiques et régler les coupures depuis le menu « Options de coupure ». Pour insérer des images, allez dans l'onglet « Insertion » et cliquez sur l'outil « Images » pour choisir une image depuis un de vos fichiers. Ici, je vais aller chercher une photo que j'ai réalisée lors de la bravade 2007 à Fréjus pour illustrer mon texte. Vous pouvez aussi insérer une image clipart, donc depuis la bibliothèque d'images clipart qui est fournie avec Microsoft Office 2007. Ouais, il faudra éventuellement un peu organiser cette bibliothèque d'images. Vous pouvez aussi insérer une forme, un smart art ou un graphique. Ici, c'est l'insertion d'une forme. Maintenant, c'est l'insertion d'un graphique.